À 12 ans, je me suis mis au rap, je voulais changer le monde. J'avais déjà que la planète était bien ronde. Combien l'espèce humaine pouvait être immonde. Mais une autre ère nous attend, je l'entends qui gronde. Nous ne sommes que des êtres éphémères sur cette planète qui mourra à son tour, alors pourquoi tu te la pètes? L'argent a changé nos rapports humains. Nous devenons petit à petit les esclaves de l'inhumain. On dirait qu'on tire très peu de leçons du passé. À l'école, le savoir est bradé sur l'autel du marché. Nous sommes nombreux à rêver d'un autre système où l'on regarderait son voisin autrement qu'avec la haine. Il faut en finir avec les logiques de la peur, considérer ses semblables et leur donner le meilleur. Si la course à l'argent est la pire arme de destruction, nos plumes, elles, seront les meilleures armes de construction. Sur la mer que je ne connais pas, à force de vivre dans ta Ferrari, tu finiras que peureux. Aveugle du monde, de la vie qui s'offre à nous. Quelle chance d'être vivant, mais dites-moi vous, qu'en ferez-vous? Et si ce texte vous paraît si simpliste, demandez-vous pourquoi vous êtes si pessimiste. Si ces idées vous sont si familières, c'est que vos ancêtres se sont battus pour abattre les barrières. Je ne suis pas le seul à porter cette vision, même si c'est si loin de ce que raconte la télévision. Je revendique le droit à l'échec, à la sensibilité, dans un monde qui laisse peu de place à la naïveté. Voilà ce qui nous tue, voilà ce qui nous guette, ce mauvais jeu de la concurrence entre les êtres. Si la course au pouvoir est la pire arme de destruction, nos voix, elles, seront la meilleure arme de construction. Sur un mur que je ne connais pas, j'écris nos histoires. Parler de paix alors qu'ils vendent des armes de guerre dans le monde entier. Il serait temps de stopper l'escalade de l'armement. Le bon sens au service de la réflexion du développement. Quelle indécence, les abus de la bulle financière, à l'heure où la famine décime des familles entières. Aujourd'hui je considère que c'est un crime contre l'humanité de laisser faire la faim dans le monde et la pauvreté. Il faut en finir avec le snobisme de la capitale, le racisme et les discriminations raciales. Et je rends hommage aux bons parents. Le premier acte responsable est de s'occuper de ses enfants. Sur un air que je ne connais pas, j'ai écrit mon histoire. Si ces mots te parlent quelque part, c'est que quelque part, c'est aussi ton histoire. Sur un air que je ne connais pas, j'écris nos histoires. Sur un air que je ne connais pas, j'écris notre histoire. Sur un air que je ne connais pas, j'écris nos histoires. Sur un air que je ne connais pas, j'écris mon histoire. Et si ce texte paraît simpliste, demande-toi pourquoi tu es si pessimiste. Nous ne verrons peut-être pas le monde dont on rêve de notre vivant. Nos enfants le subiront. Du sens. Résister. Renoncer à la violence. La guerre. On a tous un pouvoir. Ne pas tolérer l'inacceptable. La famine. L'incompréhensible. La subordination. Les inégalités, rester insoumis dans la vigilance. Une seule planète, une seule espèce, autre chose est possible. Sur un air que je ne connais pas, j'écris mon histoire, ton histoire. Si ces mots te parlent quelque part,